Merci beaucoup. Bienvenue et merci d'être là. Comme l'a précisé Laurence Brio, que je remercie pour son invitation, je ne suis pas du tout spécialiste de Mishima. Je ne suis pas du tout spécialiste de cinéma. Donc, si vous restez, c'est vraiment pour écouter mon souhait de partager l'admiration pour un auteur particulier, singulier. Qui, je pense aussi, intéresse beaucoup d'entre vous, puisque je crois que effectivement cette séance suit de très nombreux cours qui ont eu lieu de gens qui sont eux des spécialistes. Donc moi, je me réfugiais peut-être derrière l'idée de Jacques Rancière qu'on enseigne bien ce qu'on ne connaît pas, et donc jouer le rôle du maître ignorant. Mais ce que je dois dire, c'est que en fait. Mishima est un auteur qui m'accompagne ou que j'accompagne depuis une quarantaine d'années. Moi, ça fait 40 ans que je lis, que je relis particulièrement un texte qui est La mère de la fertilité, que j'ai lu de nombreuses fois. Donc, je vais faire partager en quelque sorte mon admiration pour cet auteur. Tout en reconnaissant que voilà, je ne peux rien dire de sérieux sur la littérature de Mishima ni sur le cinéma de Mishima. Cela étant dit, nous allons aujourd'hui regarder un film de Mishima qui est tiré d'un livre, d'une nouvelle de Mishima qui s'appelle Le patriotisme. Et je vais essayer de déployer à partir de ce film un certain nombre de figures, images qui appartiennent au monde de Mishima, un monde qui reste évidemment pour nous un monde imaginaire. Je disais que je relis sans cesse La mère de la fertilité. Je voudrais rappeler ou dire pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiers avec cette œuvre, qu'il s'agit d'une tétralogie, c'est-à-dire d'une suite de quatre livres par lesquels Mishima clôt son aventure littéraire et son aventure personnelle, puisque c'est le jour même où il remet son manuscrit de la fin, donc de cette tétralogie, qu'il entreprend le coup d'État raté, mais qui va mener à son suicide. Et on retient, je dirais un peu malheureusement, cette scène spectaculaire, qui effectivement est sidérante, mais qui ne doit pas occulter que cette personne, ce personnage, puisqu'il joue constamment un personnage, est l'auteur d'une œuvre absolument immense, très diverse. Hein, qui n'est pas faite que des grands chefs-d'œuvre comme Le Pavillon d'or, Confession d'un masque, mais qui est faite aussi de littérature populaire. C'est dire qu'il est très difficile de cerner et d'identifier, de mettre Mishima dans une catégorie. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de temps en temps de parler ou de montrer des textes de Mishima, de lire des textes de Mishima, de montrer des images. Et quelquefois, bon, on a une espèce de réaction en disant, mais comment ce type-là est odieux, c'est un type d'extrême droite qui voulait réinstaurer l'empereur, la divinité de l'empereur et l'impérialisme. Bon, tout ça est à la fois vrai et faux, c'est-à-dire qu'il faut admettre que, comme le titre Confession d'un masque l'indique, nous avons affaire à quelqu'un qui joue constamment son propre rôle, joue des personnages. Il se construit, on peut dire, une sorte, tout au long de son œuvre, une sorte de tombeau sacrificiel, et ce film est déjà un tombeau sacrificiel. Pourquoi aussi c'est difficile de parler de Mishima? C'est parce que quand on est français, ou quand on lit le français, et qu'on ne lit pas le japonais, on est condamné à un gros problème de traduction. C'est que, par exemple, pour certaines œuvres, et notamment la tétralogie, Mishima a souhaité que les traducteurs français traduisent depuis l'anglais. Donc, ça veut dire que, oui, on a une traduction
de l'anglais qui lui-même traduisait le japonais. Voilà. Bon, vous vous doutez bien que aussi de temps en temps j'ai parlé à des japonais, je suis allé souvent au Japon et que j'ai interrogé des personnes sur la langue de Mishima, qui semble-t-il est d'une richesse extraordinaire, mais qui elle aussi est faite d'archaïsme, de références chinoises. C'est pour dire voilà que il faut un degré de spécialisation très très fort pour accéder à véritablement la signification de cette œuvre. On est, je crois, bon, comme pour beaucoup d'œuvres aussi de japonaises, condamné au malentendu. Hein, bon, la caricature en étant le film de Coppola, Lost in Translation, on est forcément condamné à être perdu. Hein. Mais bon, je crois que le malentendu n'est pas forcément toujours négatif et que le malentendu peut donner quelques sens. Ça fait partie d'une œuvre que de rencontrer des malentendus, au sens fort de pas être bien entendu. La difficulté aussi, je crois qu'il faut qu'on précise ça, et ça sera aussi un fil d'une discussion que j'aimerais avoir avec vous, c'est la question de l'exotisme. Est-ce que nous ne sommes pas piégés par un exotisme qui fait que pour nous, voilà, le Japon, c'est les samouraïs, c'est le harakiri, c'est selon les jardins zen. Bon. Et de fait, on est confronté à cet exotisme qui a existé en France de toute façon depuis longtemps, qui a donné aussi un courant pictural et décoratif qu'on a appelé le japonisme. Hein. Donc, est-ce que, au fond, nous ne sommes pas condamnés définitivement au japonisme ? Il faut savoir que même ceux qu'on considère comme des chefs-d'œuvre dans l'approche du Japon, je pense par exemple au texte de Roland Barthes, L'Empire des Signes, qu'on est un certain nombre à trouver extraordinaire, qui travaille justement sur cette culture japonaise. Quand on discute avec des Japonais, bon, ça les amuse un peu, parce qu'ils vous renvoient très vite au fait que bon, Barthes n'a vraiment mais rien compris au Japon. Donc il faut accepter aussi cette idée qu'on reste devant une espèce de mur de verre, que même si on admire le théâtre No, voilà, c'est mon cas, je n'ai aucune prétention à avoir une espèce de lucidité. Je crois qu'il faut voilà, admettre humblement que nous sommes condamnés à l'exotisme. Mais l'exotisme, s'il avait bonne presse au XIXe siècle, aujourd'hui, il est soupçonné de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Hein ? L'appropriation culturelle, c'est un débat très fort aujourd'hui qui vient de personnes qui appartiennent à des cultures et qui reprochent à d'autres cultures de parler à leur place ou d'utiliser leurs références, hein, de les spolier, comme dit Bell Hooks, de les avaler. Hein. Donc on a ici une critique très forte et qui, par exemple, c'est bien synthétisé dans le livre d'Edouard Saïd, L'Orientalisme, montrant comment voilà, l'amour de l'Orient, que ce soit le proche ou le lointain Orient, est fait de clichés, de racisme, d'enfermement de l'autre dans une tradition dont on ne connaît rien. Donc il y a aujourd'hui, je crois, une sorte de presque d'interdit, hein, à parler, à écrire sur une culture que l'on ne connaît pas. Bon. Donc on est obligé de prendre cette question à bras le corps et je voudrais y apporter une petite réponse à travers l'approche qu'on peut faire de Mishima, d'autant plus que Mishima se présente comme véritablement l'incarnation de la tradition japonaise. Hein. Avec cette référence au texte japonais, ses références, son adaptation aussi de pièces de No, du théâtre No. Donc, comment faire, comment répondre à cette accusation. Bon,
Moi, en fait, quand on m'a demandé d'écrire, parce que c'était une commande, j'explique quand même comme pourquoi quand même Laurence Briot a eu quand même l'idée de me faire parler. C'est que, en fait, une maison d'édition avait lancé une collection qui s'appelle Le Livre, la vie. C'était Isabelle Grel qui dirigeait cette collection et qui prenait le protocole de Barthes, qui était de dire, voilà, prenez pendant un an un livre, choisissez un livre, et il va vous accompagner dans tous les événements de votre vie. Et donc, racontez, faites le journal de votre vie avec ce livre. Bon. Et donc, elle m'avait demandé de faire cela, de choisir un livre, et j'ai pris un livre que, au lieu de prendre un livre que je connaissais bien, sur lequel j'aurais pu faire un discours de prof, je me suis dit, je vais prendre un livre que j'adore depuis toujours, que je relis sans cesse, c'est La mère de la fertilité. Et donc j'ai écrit ce journal, ce texte s'appelle Tombeau, et il est publié aux éditions Cécile Defaux. Et donc j'ai essayé de dire ce que peut être une relation de quelqu'un qui reste extérieur et qui pourtant, dont la vie est accompagnée par ce texte, ces quatre textes particulièrement mystérieux, parce que, pour en dire juste un mot, il s'agit de quatre livres très, 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 très distincts, où il est question de réincarnation, d'une réincarnation d'un personnage qui a une particularité, c'est qu'il a trois grains de beauté sur le corps, et celui qui l'accompagne et qui l'a vu mourir alors qu'il était jeune, ce personnage qui s'appelle Onda, qui est le témoin, eh bien, a l'impression, à différentes étapes de sa vie, de retrouver Kiyoaki, de retrouver le premier personnage jusqu'à la fin. Et donc à chaque fois, à un moment donné, c'est aussi une princesse dont il a l'impression qu'elle est la réincarnation de ce premier personnage. Donc c'est aussi toute une conception bouddhique de la réincarnation qui est en jeu, avec laquelle Mishima joue et qui se termine par un dernier livre qui, au lieu d'être apologétique, qui permettrait de dire, je vous montre comment cette âme s'est réincarnée, termine au contraire sur un grand doute, sur le doute du personnage principal qui ne sait pas s'il n'a pas rêvé cette réplique du premier personnage. Bref, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on va essayer de complexifier cette question de l'appropriation culturelle pour parler peut-être de plus de relation à une étrangeté. À partir de ce film, donc à partir d'une aventure qui est à la fois existentielle, visuelle et littéraire. Ce film, c'est un peu une sorte de, je dirais, de cristal dans lequel se réfléchissent de multiples scènes que Mishima a déjà construites visuellement, littérairement, et qui vont, alors ça aussi c'est difficile à affirmer, mais qui vont être, comme on le dit régulièrement, la répétition du suicide qu'il va commettre, du fameux seppuku qu'il va commettre en public en 1970. Donc ce film, il est chargé d'une histoire personnelle à la fois antérieure et ultérieure, parce que évidemment il est difficile de ne pas voir dans ce film, comme on dit souvent, c'est la répétition de ce que Mishima va commettre dans la vie entre guillemets réelle. Est-ce que Mishima a préparé, avait tout conçu? Est-ce qu'on peut, souvent à la fin d'une vie, on unifie tout et on dit, on a compris, c'est le fil. Et bon, c'est la fameuse formule de Malraux, la mort, ça transforme la vie en destin. Donc on peut dire, à partir de la mort de Mishima, on peut tout comprendre, refaire le parcours, et voilà, tout s'explique. Je crois que c'est pas si simple, que Mishima peut-être s'est pris dans son personnage, qu'il a joué un personnage. Est-ce que c'est lui qui véritablement se suicide, ou est-ce que c'est l'image de lui-même qu'il a créée? Ce sont des questions qui restent en suspens.
Alors, pour être un petit peu plus concret, ce film est issu d'un livre qui est publié dans la collection Folio, d'une nouvelle qui s'appelle Patriotisme, qui a été écrite en 60. Il faut voir un petit peu le contexte de ces années 60, le contexte aussi socio-économique. Le Japon, comme vous le savez, donc depuis la fin de la guerre, depuis la capitulation, depuis Hiroshima, le Japon est dans une relation de culpabilité à l'égard de sa propre histoire, sous domination américaine. Il y a une sorte de refoulé de son propre passé, avec l'idée qu'au fond, les Japonais sont responsables de ce qui leur est arrivé, et de ce crime, de cette terreur. Hein, c'est quand même le premier grand crime terroriste de l'histoire, avec Hiroshima. Hein. Donc, il y a une sorte de refoulé auquel Mishima va s'adresser continuellement. Mais il faut dire que dans les années 60, comme aussi dans beaucoup de pays dits occidentaux, on assiste à une forme d'américanisation de la société, société de consommation, la modernisation technologique, un idéal consumériste. C'est la situation du Japon. Je vous rappelle que la croissance économique à ce moment-là est très forte. C'est le moment du lancement des fameux trains à grande vitesse Shinkansen. C'est le moment aussi des Jeux Olympiques, donc en 64. Donc on peut dire qu'il y a, il y a une sorte d'occidentalisation du Japon à ce moment-là. Et donc, on assiste à quelque chose d'assez semblable à ce qui se passe dans les années 60 et à la fin des années 60, aussi bien aux États-Unis qu'en France. C'est à la fois un enchantement socio-économique, mais aussi un désenchantement d'une certaine jeunesse, hein, qui ne se reconnaît pas dans cet idéal consumériste. Et qui donc va au contraire développer une sorte de contre-culture qui n'est pas celle du travail à tout prix ou de l'enrichissement à tout prix. Et d'une certaine manière, Mishima participe aussi de cette contre-culture, mais de manière bien différente, puisque pour lui, cette contre-culture, elle vient... Elle va pas s'incarner dans le rock'n'roll, mais beaucoup plus dans la reprise d'un fond traditionnel au Japon. Donc Mishima est fondamentalement quelqu'un qui est à contre-courant, mais d'une autre manière que celle de la jeunesse oppositionnelle de l'époque. Il retrouve en effet dans l'éthique samouraï la tradition japonaise et il peut exprimer ce qui est difficilement exprimable, qui est une résistance à l'ordre américain depuis la capitulation et depuis le moment où, ce que Mishima ne cesse de dénoncer, l'empereur a dû renoncer à sa divinité. Donc, Mishima incarne une espèce de mauvaise conscience. D'ailleurs, je l'ai bien ressenti moi-même au cours de plusieurs séjours au Japon. C'est que quand j'ai parlé à des professeurs d'université, je sentais une certaine gêne. Je pense qu'il y a aussi une gêne polie à l'égard de tous les Occidentaux qui veulent s'intéresser qui croient aussi connaître quelque chose à la littérature japonaise, mais aussi une gêne quand même à l'égard de ce qu'incarne politiquement Mishima, c'est-à-dire une sorte de d'extrême droite nationaliste qui n'éprouve aucune culpabilité à l'égard des crimes commis par le Japon en Mandchourie ou ailleurs, enfin bref, ou en Corée. Donc il y a une difficulté, on pourrait dire, moi j'ai ressenti cette difficulté à dialoguer sur Mishima parce qu'il exprime une espèce de mauvaise conscience. Et d'une certaine manière, psychologiquement, certains ont dit, au fond, Mishima, il incarne une profonde mélancolie, hein,
une profonde mélancolie, mélancolie du deuil, hein, du deuil du Japon ancestral, mélancolie aussi de tous ceux qui sont morts, de tous les morts de la guerre. Hein. Il dépasse sa mélancolie par un engagement politique qui est celui de l'impérialisme. Au fond, voilà, ce serait l'impérialisme qui, chez lui, est le remède à la mélancolie. Bon. Avec cette revendication d'une authenticité du Japon, mais bon, comme on le sait, je crois, l'authenticité, ça n'existe pas. Il n'y a pas plus inauthentique que la revendication de l'authentique. C'est une construction, l'authentique. Il me semble effectivement que Mishima témoigne dans sa vie et dans son œuvre à la fois d'une revendication et d'une, si vous voulez, d'une espèce de force contraire qui est celle d'un désir de sortir justement de la tradition. Je vais m'expliquer un petit peu plus nettement à partir du film. Il est difficile de séparer ce film, évidemment, de la vie de Mishima, parce que Mishima se construit. Hein. Il se construit continuellement. Il se construit une vie, il se construit des images. Il y a une part, évidemment, fantasmatique dans Mishima se rêvant en samouraï. Hein. Bon, quand on lit les biographies de Mishima, on comprend que... ce jeune homme frêle qui n'a pas fait la guerre alors qu'il l'aurait pu, hein, au moment où il fallait la faire, hein, ce jeune homme un peu frêle s'est petit à petit construit par rapport aussi à des castes, par rapport à des groupes sociaux qui incarnent une sorte d'aristocratie au Japon. Lui-même a voulu se construire dans cette image valorisante de lui-même, à la fois l'image du samouraï, l'image aussi de quelqu'un qui est héroïque, qui va faire de la musculation, va transformer son corps. Hein. Donc on assiste vraiment à une entreprise fantasmatique. Hein. Il a une image de lui-même, il construit une image de lui-même, à part qu'évidemment dans le fantasme n'est jamais réalisable, et là on peut se demander si effectivement Mishima ne s'est pas... dissous ou brûlé ou transpercé dans son fantasme, s'il n'a pas justement réalisé d'une certaine manière son fantasme, ou s'il a au contraire confirmé un cliché, japonais. Hein. Il est temps de regarder ce film, Patriotisme. Yukoku, donc rythme d'amour et de mort, bon, qui a été réalisé par Mishima, comme écrit, joué par Mishima, et qui est qui reprend une histoire qui va obséder Mishima, une histoire bien réelle, qui fait partie de l'histoire du Japon. C'est l'histoire d'un coup d'État raté en 1936. Au cours duquel des militaires factieux, hein, ont tenté d'imposer un pouvoir politique qui soit gouverné, qui soit dirigé par l'armée. Et l'empereur s'est dissocié de ce coup d'État, ce qui fait que l'armée impériale a combattu ces factieux. ce que raconte Patriotisme, c'est l'histoire d'un lieutenant qui revient chez lui, qui est d'accord avec les factieux et qui ne peut pas se résoudre à tirer sur ses camarades. Bon. Et qui décide de se suicider, de commettre le seppuku, et qui, d'une certaine manière, entraîne sa femme, enfin sa femme en tout cas, pour elle, ça ne fait pas un doute qu'elle doit suivre aussi... cet acte de son époux. Et donc Mishima construit ce film Amour et mort avec une charge érotique assez forte, puisqu'il s'agit avant l'acte suicidaire, il s'agit d'une scène d'amour, d'une scène érotique où Mishima va sans arrêt
faire jouer la métaphore du sabre et du sexe, de la blancheur du corps, mais qui est faite à la fois pour être transpercée, aimée. Enfin bon, il y a toute une métaphorique sexuelle dans ce film, et je vous propose d'en regarder donc deux séquences. Une première séquence qui donc est celle de cette scène érotique entre l'homme et la femme. Ça, c'est la deuxième scène, mais on la verra plus tard. Donc, je voulais juste faire un petit commentaire sur cette scène qui peut apparaître donc à la fois érotique et romantique. Le romantisme avec cette surcharge musicale, puisque Mishima a choisi Tristan et Isolde de Wagner, donc une version de 1936. Donc on est dans une espèce de version, oui c'est ça, de l'amour qui va se réaliser dans le suicide à deux. Je crois qu'il ne faut pas non plus être dupe chez Mishima de la charge homo-érotique qui est la sienne dans ses œuvres. L'homosexualité de Mishima n'est plus du tout un secret, même si elle était inavouable à son époque. Et la manière dont il filme son propre corps est aussi une manière narcissique d'éprouver l'amour du même. Dans Patriotisme, je voudrais juste vous décrire un passage. Je dois préciser aussi quand même une chose, c'est que qui est toujours intéressant de savoir, c'est toujours
les conditions dans lesquelles sont réalisées une œuvre sont parfois très, très révélatrices. De savoir, par exemple, que quelqu'un fait un grand discours sur, je sais pas, sur l'amour, et si son amant est dans la salle, ça donne quelque chose du sens. Je pense à Roland Barthes dans Les fragments du discours amoureux. Mais là, en l'occurrence, le jeune amant Morita de Mishima est sur le tournage. Il est présent sur le tournage. Hein. Il lui demande d'être là. Hein. C'est son amant. Hein. Et donc, il est difficile de ne pas penser qu'il l'implique aussi dans cette scène. Hein. Donc, voilà la description du lieutenant. Les cheveux du lieutenant, taillés en brosse, lui piquaient la poitrine de son épouse. Elle sentit sur sa peau le froid du nez, en même temps que la chaleur du souffle. Elle se dégagea pour regarder le viril visage de son mari, les sourcils sévères, les yeux clos, l'arc superbe du nez, le ferme dessin des lèvres serrées, l'éclat des joues, bleu où le rasoir avait passé. Elle y posa ses lèvres, elle les posa sur le large cou, sur les fortes et droites épaules, sur la puissante poitrine où les aréoles étaient comme deux boucliers et rougeâtres les pointes, des aisselles et de leurs toisons, cachés profonds par les amples muscles des épaules et de la poitrine, s'élevait une odeur mélancolique et douce, et cette douceur exsudait en quelque manière l'essence de la jeune mort. La peau nue du lieutenant brillait comme un champ d'orge mûr, les muscles s'y marquaient partout en dur relief et convergeaient sur le ventre autour du nombril petit et discret. À voir ce ventre jeune et ferme, pudiquement couvert d'une toison vigoureuse, à se dire qu'il allait tout à l'heure être cruellement troué par le sabre, Reiko, saisie de compassion, le couvrit de sanglots et de baisers. Donc cette description quand même très, je dirais, très, très, très détaillée du corps masculin indique une charge homo-érotique. D'ailleurs, dans un livre, d'un essai de Mishima, « Le soleil et l'acier », Mishima, on voit bien, il y a une fantasmatique sexuelle qu'on trouve ici un peu, je trouve, même dans la dernière image, où on sent que son idéal du corps acier, hein, du corps qui aura vaincu la chair, il n'y aura pas une once de graisse, ça sera simplement le muscle, ça sera le corps de la volonté, hein, le corps qui réagit simplement à l'intention, hein, et bien ce corps-là, en fait, on a l'impression que c'est un sexe en érection. Hein. Il s'agit de bander son corps et de se transformer en sexe. D'ailleurs, à la fin, voilà, le visage même, il y a plusieurs plans, où le visage renversé de Mishima peut faire penser à un sexe, hein, quitte à ce qu'on pense que sa casquette est une sorte de calotte. Enfin bref, il y a des images qui sont assez évidentes. En tout cas, on ne voit plus les yeux de Mishima. Hein, c'est juste, je dirais, bon, pardonnez-moi, mais vous avez peut-être trouvé ça vulgaire, mais enfin, c'est presque... C'est comme une tige et un gland, quoi. C'est-à-dire, et je dis ça, vous allez dire, oui, il raconte n'importe quoi, bon, c'est fantasme à lui, mais si vous lisez Le soleil et l'acier, je vous assure que cette sexualisation du corps, hein, cette idée que le corps est tout en érection, elle est obsédante, hein, dans l'imaginaire de Mishima. Hein. Mais ce corps, il est fait aussi pour être sacrifié, pour être percé. Et donc, on va regarder là la scène du seppuku, si vous voulez bien la lancer.
Merci. Bon, j'espère que vous avez le cœur bien accroché. Mais paraît-il, cette scène, elle est souvent vue, elle attire, elle fascine. On est frappé quand même par le mélange, de réalisme et d'esthétisation. On sent évidemment qu'il y a une volonté d'esthétiser au maximum le geste. Avec, bon, Mishima l'a commenté, l'idée que bon, le sabre, c'est aussi une plume, c'est aussi un pinceau, qu'il y a un geste calligraphique. La suite, bon, on n'a pas le temps de tout voir, mais la suite montre ce que la robe aussi de la femme donc est éclaboussée par le sang, mais aussi qu'elle peut laisser des traînées de sang, et que par l'effet aussi du noir et blanc, le sang en fait c'est de l'encre. Donc l'allusion à la calligraphie est omniprésente dans tout le film. Et puis le réalisme un peu bouché. C'est-à-dire qu'il faut, comme l'explique aussi Stéphane Giocantil, qui est dans le livret qui accompagne le DVD, voilà, Mishima a fait venir des boyaux de porc qu'il a fait tuer peu de temps avant pour qu'il y ait une sorte de réalisme des intestins qui sortent du ventre de l'acteur, Mishima lui-même. L'esthétisation, évidemment, c'est l'obsession de Mishima, notamment lorsqu'il fait référence à la Gakure et à tout le rituel qui doit précéder le geste du seppuku, c'est-à-dire le maquillage. Juste pour, bon, je citerai peut-être tout à l'heure, donc il y a un spectaculaire de la mort, hein, il y a une théâtralisation maximum. Et oui, si je peux peut-être le lire maintenant, pour parler par exemple du teint de cerisier que doit avoir celui qui va commettre le seppuku. Voilà, c'est ça. Les hommes doivent avoir un teint de fleur de cerisier, même dans la mort. Pour se préparer au suicide rituel, il était d'usage de s'appliquer du rouge sur les joues afin de ne pas perdre, une fois mort, les couleurs de la vie. Etc., etc. Ça va jusqu'à un souci du détail aussi, qui est par exemple de mettre des cotons, des morceaux de coton dans l'anus pour ne pas risquer de déféquer ou au moment de la peur de mourir. Donc il y a un souci du détail et Mishima, il commente tout cela pour montrer la volonté de contrôle absolu, de contrôle en vue de se transformer en une sorte d'œuvre d'art, on peut dire. En même temps, il ne faut pas non plus se laisser trop leurrer. Évidemment, on a une espèce d'esplanade, on a un dispositif avec deux salles, et puis l'arrivée du personnage comme dans des spectacles de théâtre no. Mais quitte à être un peu iconoclaste, n'a-t-on pas affaire à des scènes qui sont particulièrement kitsch, hein? C'est-à-dire que c'est un mélange ici de quoi de il y a un mélange de tragédie grecque qui fascine Mishima, un mélange de romantisme wagnérien, hein, de théâtre no, c'est-à-dire que il associe des références pour créer une sorte de film spectaculaire. Bon, il y a de très belles images, les images érotiques là, le jeu sur la chevelure, voilà, témoigne quand même d'un vrai regard cinématographique, mais un souci de l'image en tout cas. Mais il ne faut pas oublier que les références de Mishima ne sont pas strictement japonaises. D'ailleurs, je voudrais, si on peut passer au PowerPoint, vous montrer quelques photos qui ont, depuis le début de l'écriture de Mishima, qui l'ont fasciné. Hein. Essentiellement, dans la percée du corps, il a été fasciné, il le dit dans Confession d'un masque, par la figure de Sébastien, de Saint Sébastien. Hein. Il y a plusieurs tableaux de Guido Reni, des représentations de Sébastien. Bon, c'est dans l'iconographie occidentale, il y a énormément de Saint-Sébastien. Mais en tout cas, il le dit qu'il a été fasciné par,
par les peintures de Guido Reni, représentant Saint-Sébastien. Mais n'oublions pas que c'est une figure aussi qui fait partie de, de l'iconographie gay. Hein. Bon, là, je donne juste à titre d'exemple Gilbert et Georges, donc c'est leur version de Saint-Sébastien. Et Mishima s'est lui-même photographié en s'imaginant être un Saint-Sébastien transpercé. Hein. Vous le voyez ici. Donc il y a vraiment une fantasmatique de Mishima, s'identifiant hein, à des figures de l'iconographie chrétienne occidentale. Hein. Bon. Mishima est quelqu'un qui a des personnes. On pourrait dire aujourd'hui, on dirait le mot qu'on dirait, c'est personnalité multiple. Hein. Personnalité multiple. C'est-à-dire qu'il a, on ne sait pas le trouver. Il peut être plusieurs personnages. Hein. Il faut savoir, par exemple, ça étonnera ceux qui pensent que c'est le plus traditionnaliste des néo-samouraïs, Mishima était aussi un homme social qui pouvait s'afficher, donc voilà, c'est son mariage dans un couple hétérosexuel traditionnel, mais que c'est aussi un personnage qui aussi sait séduire l'Occident en se montrant comme personnage de l'écrivain devant sa bibliothèque. J'aime bien cette image parce qu'effectivement là on a un effet de miroir, il y a le Mishima un peu de face et puis de trois quarts ou de profil qui nous donne l'idée aussi que c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. Mishima est aussi capable de s'habiller, de se présenter comme un grand auteur publié par les éditions Calimard. On le voit ici dans le jardin des éditions Calimard. Vous le voyez habillé impeccablement. Voilà, il donne le change. Hein. Le voilà aussi à New York. Juste pour l'anecdote, dans sa biographie, on voit quand même que ce qu'il voulait absolument visiter aux États-Unis, il voulait aller à Disney. Hein. Ça peut paraître invraisemblable. On peut dire non, quand même Mishima s'amusant au parc d'attractions. Et pourtant, c'est aussi toute la dimension kitsch. Il y a une dimension vraiment kitsch, c'est-à-dire que quand il s'expose, il fait des expositions dans une galerie où il montre des photos qui sont gore, hein, où il montre lui avec des couteaux, des images sanguinolentes. Voilà, là, on ne va pas se réfugier derrière l'idée que c'est la tradition. Non, c'est tout simplement kitsch. Hein. Bon, il avait une maison qu'il a décorée. Entièrement dans le goût occidental. Hein. Donc, il était aussi fasciné par l'Occident. Il faut rappeler aussi que ses grandes références littéraires, hein, elles sont Radiguet, elles sont Jean Genet, elles sont Bataille. Hein. Donc, il est aussi nourri de littérature française. Hein. Faut pas l'oublier et pas l'enfermer peut-être dans cette tradition, même si lui-même a voulu sans arrêt se montrer ainsi. Donc, alors malgré tout, évidemment, ce suicide final, 5 ans après le film, hein, 65, 70, nous fascine et on l'enferme dans cette tradition. Mais je dirais que c'est un Mishima un peu un peu peroxydé, hein, ce Mishima-là. C'est un Mishima légendaire, et c'est celui qui apparaît dans le film de Schrader, même si ce film est vraiment nourri de tous les livres de Mishima. C'est vraiment, les scénaristes vraiment ont beaucoup travaillé, c'est pas simplement c'est pas simplement du cliché, mais c'est le portrait d'un Mishima, oui, un peu peroxydé. Est-ce qu'on peut passer la fin, si c'est possible, la fin de ce film, donc Mishima, une vie en quatre chapitres.
Il vient de haranguer donc la caserne et tout le monde se moque de lui. Il n'obtient pas l'accord des soldats. Et on l'a vu de manière un peu... On a vu un personnage vraiment complètement hystérique depuis le balcon. Merci. Alors, le film est intéressant parce qu'il est pétri de références. On a vu les références là au pavillon d'or, à la fin. Et il se termine sur ce soleil. Et c'est une allusion directe à la fin du deuxième volume de la tétralogie La mère de la fertilité. Ce deuxième volume qui s'appelle Chevaux échappés, et avec le personnage de Isao, qui est un personnage dans lequel, évidemment, Mishima s'est projeté profondément. Et j'aimerais vous lire la fin, cette dernière page de Chevaux échappés. Lorsque Isao a compris qu'il avait perdu,
que le projet de coup d'État ne marcherait pas, et que, et donc il va, donc il échappe, chevaux échappés, et il échappe et il décide de se suicider. Je lis la traduction, donc la traduction depuis l'anglais de la fin de Chevaux échappés. Au-delà des herbes sèches, au-delà des hauts cortadaria, au-delà des branches basses du conifère, aux aiguilles en paquets, aux lianes emmêlées, s'étendait l'océan nocturne. Malgré l'absence de lune, la mer réfléchissait la faible lueur du firmament et les flots noirs miroitaient. Isao s'assit droit sur la terre humide, les jambes repliées sous lui. Il enleva sa veste d'uniforme. De la poche intérieure, il sortit le couteau. Tout son être ressentit un tel soulagement en l'y trouvant à sa place qu'il faillit en perdre l'équilibre. Bien qu'il portât encore sa chemise et son tricot de laine, la brise de mer lui glaça le corps dès qu'il eut ôté sa tunique. « Le soleil ne va pas se lever avant quelque temps, se dit-il, mais je ne puis me permettre d'attendre. Il n'y a pas de disque brillant montant à l'horizon, pas de noble pin pour m'abriter, pas davantage de mer étincelante. » Il dépouilla le reste de ses vêtements au-dessus de la ceinture, mais dans l'angoisse de son corps, le froid parut s'évanouir. Il décrocha son pantalon, se mettant à nu l'estomac. Comme il tirait son couteau, il perçut, venant du verger au-dessus de lui, des cris et des bruits de pas qui couraient. La mer. Il a dû s'enfuir en bateau. Isao aspira profondément et ferma les yeux en se caressant doucement l'estomac de la main gauche. Saisissant le couteau de la droite, il en appuya la pointe contre son corps et la guida vers le bon endroit du bout des doigts de l'autre main. Puis, d'un coup puissant du bras, il se plongea le couteau dans l'estomac. À l'instant où la lame tranchait dans les chairs, le disque éclatant du soleil qui montait explosa derrière ses paupières. Donc vous voyez ici, donc la manière de terminer le film reprend ces dernières pages de Chevaux échappés. Bon. Alors, c'est une version qui correspond à la version que Mishima lui-même, ce fantasmant comme samouraï qui se sacrifie, que Mishima a construite, hein, cette image. Mais la vérité oblige à dire que ce suicide a été aussi un désastre, que l'équipe, les quelques camarades, la Tetenokai, c'est-à-dire cette milice qu'il a construite, s'est retrouvée dans une situation très très peu héroïque, que ce suicide a été d'abord manqué. Il faut savoir, c'est assez étonnant que lorsqu'il y a la préparation de ce coup d'État, cette équipe se retrouve régulièrement pour aller dans les spas. Enfin bref, il y a là aussi une dimension érotique entre ces jeunes hommes sous la férule de Mishima. Il y a une sorte de concurrence d'amour pour savoir qui sera celui qui accomplira le geste final, c'est-à-dire après que Mishima se sera ouvert le ventre, il faut lui trancher la tête. Donc qui aura cet honneur de le faire? Et il désigne son amant pour le faire. Le problème, c'est que l'amant, je ne vais pas se mettre à sa place, mais enfin, en tout cas, il tremble, il ne réussit pas son coup, et il rate la décapitation. Hein. Donc là, on revient à une espèce de réalisme qui nous fait sortir de la sidération et de la beauté de l'acte seppuku. Hein. C'est intéressant de voir que un cinéaste japonais a voulu être un petit peu plus près de la réalité. Et je vous demande de montrer maintenant l'extrait qui va faire une sorte de pendant au film de Schrader, l'extrait du film de Mitsushima.
Claude. On est confronté à une espèce de tension entre, on pourrait dire, l'effroi et le fantasme, entre une réalité macabre et une idéalisation. Je voudrais vous montrer quelques images de cette réalité, cette fois-ci non pas filmée, mais les photographies qui ont été prises à partir de ce film et ensuite au moment de la mort de Mishima. Si on peut repasser au PowerPoint. Mishima devant l'affiche de son film. Mishima, dans l'idéalisation, effectivement, se montrant en figure héroïque de samouraï, avec son sabre. On le voit ici, en plus, avec une musculature qui correspond à l'idéal qu'il a recherché depuis qu'il a monté cette milice. Les scènes, ces différentes stations, vous voyez, de ce seppuku. On le voit ici à nouveau. Et tout cela est lié effectivement à la construction d'un corps fort qui est destiné à être transpercé. On le voit ici avec ses camarades, sa troupe. On le voit ici dans cette harangue à la caserne. Et voilà ce qui finalement résulte de cette réalité macabre. Vous repérez peut-être ou pas dans le coin bas gauche la tête de Mishima et celle de Morita. Et on termine sur l'image de Mishima, la tête de Mishima, à moins de dire comme Socrate que ce soma n'est qu'un sema, un signe de quelque chose qui est passé, d'une âme qui est partie. Mais en tout cas, il ne reste finalement de Mishima que cette tête et qui correspond bien peu à toute cette littérature et toute cette iconographie idéalisée
esthétisé. Donc, je voudrais terminer en interrogeant cette part d'exotisme qui réside dans notre fascination, fascination, sidération, effroi, on peut le dire différemment, pour cet itinéraire, pour ce raffinement, ces reflets, ces Mishima multiples, ces personnalités multiples. Et je reviens à ce que je vous disais au début, n'est-on pas coupable d'un certain exotisme facile ? Et plutôt que de me référer à Saïd ou Bell Hooks, je voudrais simplement rappeler Victor Segalen et son essai sur l'exotisme. Victor Segalen distinguait deux types d'exotisme. L'un qui est un exotisme dégradé, qui se sert des clichés des autres pour en faire des objets de jouissance égotiste. Et puis il y a un deuxième exotisme, c'est ce qui correspond à ce qu'il appelle une esthétique du divers. Une esthétique du divers. Faut-il préciser que cette esthétique du divers et cette forme d'exotisme a beaucoup inspiré un philosophe et poète qui s'appelle Édouard Glissant et qui, contre l'idée d'une propriété des cultures ou d'une propriété des identités, vantait sans cesse la relation et la rencontre improbable de différences. Et je crois que la relation en Mishima, elle peut être faite justement de cette rencontre des différences. Et pour terminer tout à fait, plutôt que par un discours, je voudrais vous montrer ce qui me paraît aussi être un bel exemple d'une créolisation du Hagakure, d'une créolisation de l'esprit samouraï, la rencontre tout à fait improbable du Hagakure et de l'éthique samouraï avec un cinéaste qui est Jim Jarmusch, avec un acteur qui est Forest Whitaker et qui joue le personnage d'un tueur à gages qui vit sur les toits de Jersey City à New York, en face de Manhattan. Et qui est lié par une dette d'honneur à un mafieux italien. Donc voilà, on est dans le cliché. Jarmusch s'amuse avec les clichés. Et je vais vous montrer ces scènes qui me paraissent tout à fait emblématiques de ce que c'est qu'un jeu, un jeu qui assume l'exotisme, mais qui peut être aussi d'une certaine manière un écho, une réplique de l'itinéraire de Mishima. Je vais sortir donc de mon PowerPoint et j'espère que je vais retrouver. Voilà. Là. Ghost Dog. Cette fois-ci, ce n'est pas la musique de Wagner, mais celle de RZA, du groupe Wu-Tang Clan. Samurai is found in death. Meditation on inevitable death should be performed daily. Every day when one's body and mind are at peace, one should meditate upon being ripped apart by arrows, rifles, spears, and swords. Being carried away by surging waves, being thrown into the midst of a great fire, being struck by lightning, being shaken to death by a great earthquake, falling from 1,000-foot cliffs, dying of disease, or committing seppuku at the death of one's master. And every day, without fail, one should consider himself as dead. This is the substance of the way of the samurai.
je vais essayer de retrouver en improvisant. Non. Non, 33-40, pardon. Yeah, me too. Non. Désolé. No, they got names like. Voilà. C'est une scène d'exercice, donc d'entraînement au sabre. Et je termine tout à fait par une dernière scène. Excusez-moi, je cherche. C'est un peu 1,50-08. Voilà. C'est la mort en position de donc samouraï. Vous voyez ici une réplique. Seppuku à sa manière. Oui, on peut rallumer, hein. C'est la dernière scène. Et le hagakure tombe dans les mains de cette jeune fille qui en fera à son tour ce qu'elle voudra. Tout ça pour dire et pour terminer que, au fond, on pourrait dire à chacun son hagakure. Il y a des bons et des mauvais exotismes. À chacun d'en décider, à vous d'en décider pour savoir si c'est effectivement le bon ou le mauvais. Mais en tout cas, je crois qu'on peut affirmer à travers toutes ces répliques que aussi bien l'œuvre de Mishima que les effets qu'elle produit sur nous témoignent que les cultures ne sont jamais pures et peut-être qu'elles n'appartiennent à personne. C'est là-dessus que je voulais terminer. Merci pour votre attention. Il y a un micro pour les questions. Présentez-vous, Dominique. Bonsoir, Dominique Palmé, je suis là avec L à majuscule, d'après ce que disent les gens, la traductrice de Mishima. Non, je plaisante, j'ai retraduit directement du japonais. Confession d'un masque. Je sais bien, magnifique. Merci, merci infiniment. Et parce que je l'ai lu et c'est une redécouverte. Je vous remercie beaucoup. Et j'ai eu aussi la chance d'aborder l'œuvre de Mishima en traduction, enfin, par le travail de traduction, à partir d'un roman qui n'était pas du tout un roman de ce qu'on appelle Jumbungaku, la littérature pure, mais au contraire la littérature populaire. Oui. Celui qui s'appelle Ongaku, la musique, et qui est malignement sous-titré un cas de frigidité féminine en psychanalyse. Et ensuite, bon, il y a quelques années, j'ai traduit Vie à vendre, qui est là un pastiche de film de Yakuza.
Donc voilà, je vous remercie beaucoup de vos propos qui m'ont énormément intéressée. Même si sur certains points, je ne serais pas obligatoirement d'accord avec vous. Enfin, c'est bien qu'à la fin, vous ayez parlé de la distinction que fait Victor Segalen entre les deux exotismes. Parce qu'au début, vous avez dit une phrase qui m'a fait un petit peu sauter en l'air. Nous sommes condamnés à l'exotisme. Oui, si vous prenez l'exotisme dans le premier sens du terme tel qu'il est énoncé par Segalen, c'est-à-dire le mauvais exotisme, celui des clichés qui nous font jouir d'une façon ou d'une autre. Pas du tout s'il s'agit du second exotisme. Et là, j'ai beaucoup apprécié votre choix des extraits du film de Jarmusch à la fin. En fait, je voulais juste, enfin, je vais avoir une question, mais je voulais juste faire un petit commentaire. Vous avez eu tout à fait raison de dire que Mishima a théâtralisé sa mort. Il a aussi théâtralisé sa vie. Je pense que Mishima est avant tout un homme de théâtre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que d'abord, c'est un grand écrivain de théâtre. C'était un pas très bon acteur. Je pense que c'était un assez bon metteur en scène. Mais surtout, on sent la théâtralisation dans la plupart de ses œuvres, en tout cas de littérature pure. C'est-à-dire que pour une traductrice comme moi, traduire les dialogues des romans de Mishima, c'est un plaisir total, parce que ça peut être transposé tel quel sur scène. Et donc, voilà. La question que je voulais vous poser, parce qu'au début, vous avez beaucoup insisté sur le fait que votre rencontre avec Mishima se passe à travers... Je pense que vous avez utilisé le terme de « j'ai adoré Hojo Noumi, la mère de la fertilité », et vous dites y revenir régulièrement depuis des décennies. J'aimerais tout simplement savoir si c'est pas indiscret, parce que je pense que ça fait partie aussi peut-être de votre propre goût de l'exotisme dans le mauvais sens du terme. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans cette tétralogie? Oui. D'abord, je veux dire que j'ai un immense respect pour le travail que vous faites. Et que pour le coup, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas être soupçonné d'exotisme, c'est bien des personnes comme vous qui travaillaient au cœur de la langue. Donc pour moi, voilà, je dis simplement voilà, respect et aussi remerciement, parce que ça a été une joie. Alors que bon, Confession de mère, je l'ai lu il y a très longtemps. Je l'ai relu aussi pour quelquefois aussi l'utiliser pour des cours, etc. Et ça a été vraiment une découverte. Votre traduction est absolument magnifique. Donc vraiment, voilà, respect et remerciement. Voilà. Alors maintenant, moi, effectivement, je ne me soustrais pas à l'accusation de pouvoir avoir une attitude qui relève de l'exotisme. Hein. Voilà. Maintenant, on est dans un débat aujourd'hui très violent, particulièrement aux États-Unis, mais bon, il viendra forcément ici, sur l'interdiction de toucher, de parler, d'utiliser des références culturelles dont on n'est pas les héritiers. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je me confronte moi à cette question, qui est une question très sérieuse, qu'on ne peut pas rejeter comme on le fait souvent en disant bon voilà, qu'est-ce que c'est manières de communautarisme, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais donc il faut y répondre, il faut répondre sérieusement. Hein. Pour moi, effectivement, le Segalen ou Glissant sont des auteurs qui permettent de déjouer cette appropriation identitaire ou l'idée de propriété de culture. Mais vous voyez, bon, ça fait des débats aujourd'hui. Par exemple, les réactions d'Ariane Mnouchkine après Kanata, voilà, qui affirme très, très fondamentalement les cultures sont les propriétés de personnes, etc. Tout ça témoigne qu'il y a un travail, il y a une réflexion qui est en cours et qui est complexe. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que moi j'ai parlé d'exotisme et aussi de savoir, voilà, moi, est-ce que j'ai le droit de parler de ce que je ne connais pas. Voilà, donc finalement, je vous ai parlé effectivement simplement de mon admiration, de mon adoration, avec ces malentendus. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui fait que je ne me lasse pas de lire, entre parenthèses, est-ce que vous voudriez bien traduire La mère de la fertilité ? Ça fait des années que je me bagarre avec ce que j'appellerais la forteresse Gallimard, parce que je trouve que c'est absolument scandaleux
que le chef-d'œuvre de jeunesse de Mishima, Confession d'un masque, ait été traduit via une très mauvaise traduction américaine, que ensuite son chef-d'œuvre ultime ait encore été traduit de l'anglais. Et tout ça, c'était bien évidemment pour des raisons commerciales, hein, puisque bon, en Confession d'un masque, la première traduction a été publiée, je pense, 14 mois après le suicide de Mishima. Il fallait donc, comme je dis, battre le fer tant qu'il était chaud par rapport à ce scandale, que pour La mère de la fertilité, les 4 volumes ont été traduits par une seule personne, Tanguy Kenejdu, dont je ne dénie pas le talent en tant que traducteur d'anglais en français, mais qui n'avait aucune connaissance approfondie, notamment sur toutes les théories du bouddhisme qui sont utilisées par Mishima, notamment dans le 3e volume, Le Temple de l'Aube. Et c'est extrêmement complexe. Hein. Même les Japonais n'arrivent pas à comprendre ce que veut dire Mishima. Et là, c'est mal traduit de l'anglais, puisque l'anglais est mauvais de toute façon. Ouais. Donc, je me dis, mais c'est... j'ai tendance à m'emporter dans ce genre de situation parce que je trouve que c'est une véritable insulte au génie de Mishima, de ne pas publier La mère de la fertilité directement retraduit du japonais. Alors pour vous donner une anecdote, il y a une vingtaine d'années, je reçois un coup de fil d'une directrice de collection de Gallimard, je crois que c'était la collection qui s'appelle Quattro, qui me dit, nous allons republier dans ma collection La mère de la fertilité. J'aimerais beaucoup que vous m'écriviez une préface d'une 50aine de pages. Elle me dit, vous êtes spécialiste de Mishima. Je lui dis, je me défends d'être spécialiste de Mishima, je traduis un peu Mishima. Bon. Si vous pouviez écrire une 50aine de pages pour resituer la vie et l'œuvre de Mishima par rapport à ce texte. Et moi, très naïvement, je l'écoute parler et je lui dis, vous êtes évidemment en train de faire retraduire La mère de la fertilité directement du japonais. Elle me dit, ah non, absolument pas. On retraduit telle qu'elle à partir de la traduction en anglais. Eh bien, vous savez, il y a 4-5 ans, ça a été republié de nouveau dans Quarto, la traduction faite de l'anglais. Je sais bien. Alors là, je me dis, mais c'est pas possible. Ah. Et j'en ai parlé plusieurs fois aux directeurs de collections successifs du monde entier par rapport à cette question. Alors, on m'oppose, oui, vous avez tout à fait raison, mais ça va coûter très cher. Mais on dit que ce sont les exécuteurs testamentaires qui sont fidèles aux souhaits de Mishima. Alors là aussi, si vous voulez, il y a une question, il y a une réalité des choses. Hein, parce qu'il se trouve que j'ai commencé à traduire pour Gallimard il y a exactement 30 ans. Bon, c'était pour un best-seller d'une certaine Yoshimoto Banana. Et donc, j'ai assez bien connu le directeur de la collection du monde entier de l'époque, M. Yannick Guillou, qui était un homme absolument remarquable, d'une grande culture. Il était ami de Marguerite Yourcenar. Et je pense que c'est grâce à lui que Marguerite Yourcenar a été présentée à Mishima. Donc, il m'a dit, j'ai eu sous les yeux la copie d'une lettre écrite en anglais par Mishima et qu'il avait donnée à Gallimard lors de sa dernière visite à Paris, je crois que c'était en 1966, justement au moment de la projection de son moyen-métrage en France. Et donc, il me dit, cette lettre a existé. Et effectivement, il exprimait le souhait que dorénavant, son œuvre ne soit pas traduite directement du japonais, mais à partir de la traduction anglaise. Alors, un de mes collègues, Thomas Garcin, spécialiste de Mishima, est allé fouiller, si on peut dire, dans les archives de Gallimard, et a demandé qu'on retrouve copie de cette lettre. On ne la retrouve nulle part. Je pense que cette lettre a existé, mais moi, ce qui m'a toujours beaucoup étonnée, c'est que Mishima est un véritable styliste. Comment est-ce qu'il peut ignorer que le passage dans une langue relais va dénaturer une écriture. Alors, j'ai une réponse à ça qui est tout à fait personnelle. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mishima voulait absolument tout contrôler de sa vie, de sa mort, de son œuvre, de ses relations, etc. Il se trouve que parmi ses meilleurs amis, il y avait 3 très grands traducteurs anglo-saxons qui étaient ses traducteurs, Ivan Morris, Donald Keane et Sidon Sticker. Et donc, je pense que quand il fait cette demande par lettre, mais on ne sait pas du tout si c'était une lettre qui exprimait une volonté testamentaire, par exemple. Hein. En fait, je crois qu'il songe effectivement à la mère de la fertilité,
à la difficulté de le faire traduire, qu'il a toute confiance, notamment en Ivan Morris et Donald Keane. Oui, oui. Il faut souligner que la veille du jour de son suicide, il a écrit un courrier à ses deux amis traducteurs pour leur annoncer sa mort. Ils ont reçu la lettre un ou deux jours après la mort de Mishima. C'est dire combien ils étaient intimes. Et vraiment des très, très grands traducteurs. Donc, je pense que, en fait, Mishima, en plus, lisait et parlait très bien l'anglais. Et donc, je crois qu'en exprimant sa volonté enfin, de faire traduire son œuvre à partir d'une traduction anglaise, en fait, il voulait s'accorder, dans tous les sens du terme, un droit de regard sur la qualité de son œuvre en langue occidentale, notamment en français. C'est ça ma réponse. Hein. Mais autrement, bon, je continue à essayer d'attaquer, enfin de mordiller la forteresse Mishima. Je pense qu'ils finiront par faire traduire du japonais. Je crois qu'il faudra que ça soit une traduction collective à 3 ou 4, parce que c'est une entreprise énorme pour une seule personne. Et j'ai bien peur, étant donné les lenteurs de cette maison d'édition, que je ne serai plus là pour participer à cette équipe ou bien dans une vie ultérieure. Voilà. Merci beaucoup. Ne soyez pas intimidés de poser des questions après Dominique, qui est quand même un peu spécialiste. N'ayez pas peur. Donc bonsoir. Alors vous avez dit que l'authentique est une construction. Donc qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Qu'est-ce que j'ai dit que c'était ? Pardon, vous avez dit que l'authentique est une construction. Qu'est-ce qui est une construction ? L'authentique. Ah, l'authentique, oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que, bon, la revendication de l'authenticité, bon, c'est un discours que, en philosophie en tout cas, qu'on connaît aussi, qu'en culture qu'on connaît, etc. Bon, c'est même un argument commercial de faire croire qu'il y a en quelque sorte des cultures pures ou des pensées pures. C'est Adorno qui avait écrit contre Heidegger un livre qui s'appelle « Le jargon de l'authenticité hein ». C'est-à-dire toute cette rhétorique de la culture traditionnelle, la culture qui n'est intacte. Mais bon, je crois que voilà, les anthropologues savent très bien, montrent très bien que toute culture, elle est faite d'apports, de relations, et que c'est peut-être aussi un danger quand on dit qu'on veut respecter une culture ou s'intéresser à une culture. J'ai plein d'exemples comme ça de gens qui s'intéressent à des cultures et qui les enferment dans une tradition, alors que ces cultures, elles ont aussi leur modernité. Mais vu de l'extérieur, ça fait plaisir aussi de dire, bon voilà, on a une tradition, on peut se comparer, etc. Bon, mais bon, c'est délicat parce que j'aurais envie de citer des mauvais exemples, mais de personnes qui sont vivantes, mais qui utilisent, si vous voulez, une espèce d'extériorité avec beaucoup de connaissances, hein, mais qui, du coup, enferme dans la culture exogène, dans une identité traditionnelle, dans une authenticité qui est problématique. Voilà. C'est pour ça que je me méfie de ce terme de l'authentique. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour ce cours, très intéressant. Très ému par l'intervention de Madame Palmé, dont je prie de tout mon cœur que la traduction... que ce but de la mère de la fertilité à partir du japonais soit fait. Pétition, nous. Alors, vous parliez des exotismes, et moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que, oui, pour nous, le Japon, l'Asie a été le symbole de l'exotisme, mais il y a aussi l'aspect inverse, il y a le revers. Au Japon, la France, c'est le symbole de l'exotisme, c'est l'exotisme même, c'est-à-dire avec tous ces clichés qui a été travaillé, retravaillé, récupéré.
C'est plus une constatation qu'une question. Mais... Bien sûr. Et de ce point de vue-là, je vous renvoie à ce qu'a écrit ou aux travaux de Michael Ferrier, qui est un Français qui vit depuis une trentaine d'années au Japon, qui écrit des romans, et qui a aussi travaillé sur ses allers-retours, comme Philippe Forest aussi, sur ses allers-retours Japon-France, ses effets de miroir. Ça, c'est tout à fait passionnant. Et qui reviennent aussi sur Pinguet, enfin, sur tous ceux qui se sont intéressés au Japon et qui ont tenté d'instaurer un dialogue. Donc, je pense que ces travaux, si vous ne les connaissez pas déjà, sont très, très utiles pour penser cet aller-retour ou ces malentendus aller-retour. Oui. Alors bonsoir, c'est pas vraiment une question que j'ai, c'est une contribution minime parce que quand on parle d'exotisme, moi je viens du Gabon et je m'intéresse beaucoup à la question, à tout ce qui est à l'authenticité, c'est un sujet sur lequel j'étudie beaucoup. Je parle moi-même 6 langues et je m'intéresse actuellement au territoire, ce que j'appelle personnellement la bantoufonie, tout l'espace bantou donc d'Afrique subsaharienne. Et en parlant d'exotisme et d'appropriation culturelle, je trouve que c'est une question, ça va devenir de plus en plus difficile à considérer. Enfin, c'est légitime que des personnes revendiquent ce qu'ils ont construit, tout le système de pensée, toute la vision, et partant de leur vécu aussi. C'est assez légitime de se dire qu'on refuse de céder aux autres ce qu'on a construit, surtout quand c'est le sens premier de l'exotisme de Ségalène, quand la vision des autres est biaisée, donc quand on ne se reconnaît pas dans ce que l'autre projette et ce que l'autre défend aussi légitimement, parce que c'est sa sensibilité personnelle qui le pousse à construire cette interprétation. Et donc ça devient complexe, et je me rends compte en étudiant ce territoire bantou, j'ai appris encore récemment moi je suis de culture Pounou, que vous ne connaissez certainement pas, mais rien que dans l'espace qu'est le Gabon, où on a une cinquantaine de langues, où on ne se connaît pas, pourtant le territoire est petit, la population est très petite, j'ai appris récemment que les voisins, juste d'une autre province, et nous, on avait une danse commune, quelque chose qui n'est plus pratiqué aujourd'hui. Et je vous avoue, personnellement, c'est un mea culpa, c'est l'ethnie d'en face. Il y a eu tellement de préjugés, il y a eu tellement de choses qui se sont construites parce qu'il y a un passé qui est ignoré. On s'est construit différemment culturellement alors qu'on avait des bases communes. Donc aujourd'hui, est-ce que ce terme, on est toujours l'être exotique de quelqu'un? Donc ça va être de plus en plus compliqué, je pense, parce que quand on recoupe, quand on va chercher au fond qu'est-ce que l'authenticité, je pense qu'il n'y a qu'un être humain qui s'est construit différemment, qui a évolué différemment, qui a en fonction des vécus, en fonction des habitudes. Et ça va être, je pense qu'en creusant de plus en plus ce débat, on va peut-être être surpris de se rendre compte qu'on était tous dans une sorte d'illusion et qu'il faut simplement prendre en compte les sensibilités et dialoguer. Je vous remercie. Merci pour votre contribution. Je crois qu'effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment, hein, ce que vous décrivez. Merci pour le grand exposé, bien sûr. Au sujet de la cérémonie du seppuku, je voudrais vous demander, vous avez précisé que c'était donc on se préparait en quelque sorte théâtralement, ça devait être donc très codifié. Il fallait donc avoir un teint de cerisier en fleurs rouges. Pouvez-vous vous rappeler d'où vous tenez cette référence? Je l'ai mal noté. Et j'aimerais savoir si l'épouse
donc de l'homme qui se du mari qui se tuait avait aussi un code particulier de couleur pour ces, connaître ces détails si vous les connaissez. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, donc, mais je vous renvoie au texte du Hagakure et au texte de Mishima, donc qui s'appelle Le Japon moderne et l'éthique samouraï, où il reprend et commente donc tous ces textes sur le rituel, sur la représentation de la mort, sur la manière des principes de vie et de mort du Hagakure de Yamamoto. Voilà. Alors après, je pense que des spécialistes pourraient mieux vous dire si effectivement, je ne crois pas, d'après ce que j'ai lu, que ce soit dans la tradition que la femme se suicide. Je crois que ça, en revanche, ce n'est pas indiqué dans la tradition. Mais je m'avancerai pas beaucoup sur ce terrain-là. Mais il semble, en tout cas, que j'ai lu, en tout cas, que dans ce film, en fait, il y a une invraisemblance, en tout cas, ça déroge à la tradition que la femme se tue ensuite toute seule, qu'elle se retrouve seule à devoir se suicider avec un poignard. Mais bon. Je voudrais juste ajouter un petit commentaire qui va peut-être éclairer monsieur, si je puis dire. Vous savez que la poésie japonaise classique est extrêmement codifiée. C'est aussi vrai du théâtre no, par exemple. Mais quand je dis extrêmement codifié, il existe dans le haïku une règle. Enfin, il y a trois règles. C'est-à-dire que ça soit trois mesures en 5-7-5, donc le plus court poème du monde. Que d'autre part, il faut utiliser dans chaque haïku ce qu'on appelle un kigo, c'est-à-dire un mot de saison. Parce que le poème est tellement court que l'on ne peut pas se permettre de brosser un panorama. Donc il se trouve que cerisier, qui d'ailleurs est considéré dans la tradition japonaise comme la fleur par excellence, parce que cerisier se dit en japonais sakura, mais souvent quand on dit hana, c'est immédiatement l'image de la fleur de cerisier qui monte dans l'esprit d'une personne un petit peu cultivée, hein, ou même pas cultivée. Hana, c'est aussi la quintessence, du jeu de l'acteur de no, par exemple. Hein. Alors, l'image qui est liée à la fleur de cerisier, donc c'est le début du printemps, il suffit, bon, je pense que ceux qui sont allés au Japon, mais même ceux qui ne sont pas allés au Japon, connaissent la floraison des fleurs de cerisier, c'est absolument magnifique, c'est extrêmement éphémère. Il suffit de quelques heures de vent violent ou d'une pluie violente la nuit pour que toutes les grappes de feuilles ouvertes tombent à terre. C'est donc non seulement le symbole de la vie éphémère, mais dans la mesure où dans la cérémonie du seppuku, il y a toujours un assistant pour faire le kaishaku, c'est-à-dire la décollation, pour couper la tête, la fleur de cerisier tombée au sol est le symbole de la mort prématurée du jeune guerrier, parce que ça a la forme d'une tête coupée. Enfin, ça évoque une tête coupée. Donc voilà, c'est. Et d'autre part, je pense, non, dans la tradition des samouraïs, il n'y a absolument pas évoqué le fait qu'un homme se tue en compagnie de sa femme ou de sa compagne. Ça, c'est un contresens. Ouais. D'ailleurs, dans la tradition des grands guerriers, je veux dire, quand même, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très commun avec la Grèce antique, c'est-à-dire que l'homosexualité est parfaitement reconnue. Mishima lui-même a dit à plusieurs reprises dans des interviews qu'il donnait notamment à des journalistes américains ou anglais que le tabou de l'homosexualité et l'homophobie est venu avec les missionnaires américains dans la deuxième partie du 19e siècle. Donc il n'y a aucune vision morale. Et je pense que quand vous parlez de Morita, l'amant de Mishima, l'une des interprétations de son suicide, qui n'est pas du tout contradictoire avec toutes les autres qu'on pourrait donner, parce qu'on est en face d'une interrogation quand même, c'est qu'il reproduit avec Morita ce qu'on appelle le Michiyuki, littéralement aller sur le chemin, qui est la scène finale des grandes pièces de Kabuki,
Kandinsky et qui est le suicide des deux amants qui ne sont, dont la liaison n'est pas reconnue par la société. Et donc, il est tout à fait possible qu'implicitement, le fait qu'il ait choisi Molita pour la décollation soit lié à cette fidélité entre deux amants. Bien sûr. Dans la tradition des samouraïs, le mariage, c'était pour avoir des enfants et transmettre le nom. Mais il y a même des écrits érotiques, bien évidemment, notamment à l'époque d'Edo, sur les relations amoureuses entre deux hommes. Et il apparaît que le véritable amour, justement l'amour authentique, entre guillemets, ne peut être vécu qu'entre deux hommes et certainement pas entre un homme et une femme. Oui, donc là aussi, on a un retournement total de perspective par rapport à notre vision de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité ou de ce que c'est qu'un couple. Oui, bien sûr. Vous avez vu dans le film de Mitsushima, justement, à l'inverse du soleil qui monte dans le film de Schrader, là, c'est au contraire, c'est les fleurs de cerisier qui tombent. Hein. On a le mouvement inverse. Et quant à ce qui concerne Morita et le suicide à deux, bon, c'est explicite. Hein. Je pense que c'est clair qu'effectivement, c'était l'intention qui rejoint aussi, bon, un thème aussi quand même qui est occidental, qui est le thème du suicide à deux qu'on trouve aussi de très très longue date. Voilà, il y a aussi une version romantique du suicide à deux, etc. Quoi. Maintenant, bon, sur l'homosexualité, oui, bien sûr. Hein, bon, est-ce que l'homosexualité dans le Japon moderne est aussi reconnue que vous le suggérez? Je n'en suis pas sûr. Non, certainement pas. Il y a un mouvement LGBT au Japon qui est complètement rejeté par le reste de la société. Oui. Mais d'ailleurs qui est aidé, je dirais, justement par tous les débats et les études qui ont commencé aux États-Unis sur les gender studies, les études sur le genre, c'est-à-dire quelle est la distinction à faire entre le sexe et le genre. Hein. Et donc je connais un professeur de l'université de Kyoto, enfin d'une des universités de Kyoto, qui ne se cache pas du tout d'être homosexuel et qui a beaucoup travaillé. Maintenant, il a environ 70 ans. Il a beaucoup travaillé pour soutenir le mouvement LGBT, mais il a été cassé par ses collègues universitaires. C'est un homme qui a un courage énorme. Et tout à l'heure, vous parliez de Mishima, bon, dont c'est devenu maintenant, enfin, tout le monde sait qu'il était homosexuel. Je pensais qu'en vous entendant parler à l'un des jeunes acteurs et chanteurs dont Mishima a été amoureux, Miwa Akihiro, qui s'était rencontré donc dans un bar de Tokyo au milieu des années 50. Il n'a pas été l'amant de Mishima. Miwa, à l'époque, avait 17 ou 18 ans. Et il n'a jamais été transgenre, hein, c'est-à-dire il n'a jamais fait sa transition. C'est un homosexuel. Et donc, il n'a eu de relation qu'avec des hommes. Et Mishima était amoureux de lui, mais il ne s'est jamais rien passé entre eux physiquement. Et Miwa a eu le courage énorme de faire son coming out à l'âge de 20 ans ou 25 ans dans la société japonaise de l'époque. Et lui aussi, enfin, qui avait l'air d'un fantaisiste total, il a eu ce courage. Et j'ai appris récemment, parce que ce personnage de Miwa me fascine, non seulement dans ses rapports avec Mishima, mais dans son talent en tant que chanteur-chanteuse. Enfin, quand il a fait son coming out, il avait un petit ami. Et le petit ami s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée que ses parents soient au courant de son homosexualité. Ça remonte à quand même une soixantaine d'années. Mais les choses en profondeur n'ont pas tellement changé au Japon. Maintenant, par rapport au rejet des homosexuels et des personnes lesbiennes ou transgenres. Hein. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce n'est pas une lame de fond, mais ça vient en profondeur, je pense. Toujours passionnant. Je faisais signe que je prenais donc la dernière question car on est obligé d'arrêter, de rendre la salle. Et donc, merci très chaleureusement François Noudelman pour ce cours et merci Dominique et merci à vous tous.